Bonjour à tous, bienvenue à ce match de quart de finale du Clash of Tape. On affronte un type qu'on est weak contre, donc on affronte le type Fairy qu'on avait la saison passée. Un type qu'on s'est rendu en finale, donc on sait que c'est un gros type. On est quand même une weakness, faut faire attention, on a quelques wincons aussi. Donc ça peut être à notre avantage aussi. On verra ce qu'il nous apporte. Mais on devrait quand même être capable de donner une bonne résistance, même de gagner le match peut-être. Donc on attend après 7. Ça devrait pas être bien long. Donc on va affronter except Davy. Donc on va prendre notre équipe qui a été faite cette occasion. Vous vérifiez qu'on n'a pas de double item. On va amener notre nouveau venu dans l'équipe, donc Beware, qui va faire partie de la partie. Donc on devrait commencer avec Beware. Donc on a Klefki. On n'a pas de Weezing. Ok, ça c'est vraiment une excellente nouvelle de notre côté. Je vais tout simplement commencer avec notre Jelly Bear. Et on verra par la suite. Donc bon match à toi. Donc de son côté, on commence avec Mimikyu. C'est pas de mauvaise chose de notre côté. On a quand même Beware qui il a accès à Iron Head. Donc Play Rough. Ça devrait pas nous faire très mal là. En plus, ça va activer notre Weakness Policy. Donc Beware cette semaine qui était vraiment fait pour Mimikyu. Parce que même en 2 hits. Il va pas nous chercher. À moins d'un crit. Bien évidemment. Donc on est quand même à plus 2. S'il fait pas un crit avec Play Rough, on devrait aller chercher le KO. Le seul safe switch, c'est Klefki. Donc on va un Play Rough encore. On va résister. De peine et de misère, mais on résiste. N'ayant plus beaucoup de vie, pour amener un Gardevoir, Choice Scarf, pour amener un Grim Snarl, Sucker Punch, ou tout simplement un Klefki placé, potentiellement le Reflect. Donc on avait une Gardevoir tout simplement. J'imagine un Choice Scarf. On va prendre l'habileté Fluffy, qui est quand même une bonne chose de son côté là.
C'est un bon move. Donc Moonblast qui va nous terminer. On va faire, on va juste Comment amener. ça s'appelle? Ça s'appelle Monsieur Fouet. Oui. Oui. Ça s'appelle Donc on enlève Gardevoir pour mettre Klefki. Ok. C'est quand même risqué de sa part. Dans le sens que j'aurais pu maxer tout de suite. D'après moi, va mettre le Reflect avec Klefki. On va essayer d'écouler les tours de Reflect quand même. À moins qu'il ait mis Maniac Rise, qui serait vraiment un excellent play. Je pourrais juste l'attaquer avec Max Spike, puis c'est pas super. Donc non, Iron Defense. Quand même. Wow, regarde, t'as le plus. Est-ce qu'il y a Citrus Berry? Non, pas de Citrus Berry. On va tenter d'aller chercher un plus 2 s'il sort son Alchemy. Donc on sort les Spikes. Avec notre Toxicroak n'aura pas sa Focus Sash. C'est normal que ça brille au lit. Oh non, c'est pas grave. Ah. Ça, tu peux pas tomber. Fait qu'ici je suis content, il n'y a pas le reflect, les spikes me font moins peur. Je vais perdre un petit peu de vie. Mais dans le général, là, ça va quand même pas si pire. Reflect aurait été vraiment chiant. Dedans. Et Donc, regarde voir ce qu'il va nous amener. Pourrait y aller avec son Alcremie. Faire Max Guard pour me arrêter tout simplement. Donc on me sort un Grim Snarl. On va y aller un Max Steel Spike. Je pense que ici Alcremie aurait été vraiment une bonne option. Peut-être qu'il va mettre les Reflect avec. Non. On va aller chercher beaucoup de dommages, on va diminuer l'attaque spéciale. Ça ne me dérange pas tant que ça. Donc, la Baby Berry. La Babiri Berry, en fait. Est-ce qu'on va aller chercher le kill? Non. En sachant que ça réduit les dommages de moitié. Donc, ça a fait son travail. On va tout simplement y aller d'un bullet punch. Je pense que c'est la meilleure solution ici. Un crit, je pense pas que ça changeait grand-chose le crit, sincèrement. Devrait amener son Alchemy ici. Donc, Alcremie, on va tenter de dépenser 2 tours de max. On va faire un Protect. Parce qu'on est quand même à plus 2 en Special Death. Peut-être qu'on résiste un hit, peut-être pas. On va sûrement mettre le terrain psychique.
avec son Alcremie pour éviter les attaques prioritaires comme Bullet Punch. À sa place, c'est ça que je ferais en fait. Non, non, il va de la queue, G-Max. On va résister en masse. Fait qu'on va vraiment aller chercher le deuxième tour de Max. La question c'est est-ce que je fais un. Je vais faire ça. On va penser qu'il va faire un max psychique. C'est max. Et ça peut. Aujourd'hui, il y avait le max dans le goto. Il y avait ce max. Donc, est-ce qu'il va y aller d'un psycho max? Donc, on a vraiment bien anticipé ici. Tout ce que j'ai à faire ici. C'est juste de ne pas déclencher la weakness policy s'il y en a une. On va quand même chercher beaucoup de dommages là, avec la life orb. On va mourir ici. Il va reprendre la vie. C'est pas dramatique. Fangoro était vraiment là. Pour backup là, à Beware, pour Mimikyu. Donc c'est parfait pour moi à ce moment-là. Je vais juste prendre la peine de rembarquer ma champ. Fait qu'il va rester ce dernier tour là avec les spikes puis le burn. Si un protect, on est fini avec Machamp. Ou s'il fait un switch, on est quand même en bonne posture quand même là. Tout garde-voix qui est quand même weak là. On va chercher quand même du bon dommage. On va aller chercher un plus 2 en def. Qui n'est pas négligeable non plus. Il doit avoir stored power. Fait que ce qu'on va faire ici, je pense que même à plus 2, un bullet punch, je peux aller chercher Alcremy. En fait, j'espère. Parce que sinon, ça défait un petit peu notre wincon. On va chercher le kill, parfait. Donc à ce moment-ci, il reste Ninetales puis Gardevoir. On a les priorités move parce qu'on a bloqué justement un Psycho Max. Fait que c'était vraiment notre wincon. Ici, d'après moi, il faut que je sache. Que ça me dérange, oui, pis non. J'ai quand même accès à Sucker Punch avec Toxic Rock. Je suis quand même neutre à un Moonblast. Par contre, je vais manger beaucoup de dommages. Là. Il n'est pas fait pour endurer trop de dégâts, là, Lucario. Il est cool! Regarde, papa, dans la télé, il est cool! Donc, on y va dans le voile aurore. Ok. Je pense que la meilleure solution pour lui, ça a été d'attaquer. Je comprends. L'idée du voile, par contre. Par contre, ça va être quand même difficile là, pour Gardevoir de faire ça. Là. Ça fait quand même beaucoup de dommages. Là. Fait que même avec les Aura Revel, je pense pas qu'il résiste. Donc, on l'attaquera pas avec des attaques de toute façon. Donc, on va essayer avec un bullet punch. On devrait aller chercher au moins la moitié sous les veils.
Mais le match est pas terminé. Garde à voir qui a la possibilité de pouvoir reverse ça. Donc on va chercher un petit peu plus que la moitié. On y va dans un Moonblast. On va résister au Moonblast. Il y avait une lune. Une lune. On devrait aller chercher le kill théoriquement. À moins que ce soit un roll, mais sinon la grêle va s'en charger. Donc, on a notre première victoire en série contre une weakness. Si tout va quand même selon le classement, on jouera pas contre Flying. Par contre, si le Flying gagnerait contre Dragon, on va affronter Dragon. Donc, ça va être une autre grosse tâche, là. Donc, excellent match de ta part, Davy. Puis, bonne saison. On va se recroiser dans le Way of Power. Donc, le WAP. Sur le challenge sur le channel de Discord de Chaps. Donc je vais te souhaiter une bonne saison pour le Way of Power, puis pour le Clash of Type, ben on verra s'il y a saison 6. Et s'il y a saison 6, pour être invité, c'est sûr. Donc bonne fin de journée, bonne fin de soirée, puis on se dit à la prochaine.